Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On a parlé, la Torah elle parle souvent, et Chachamim, et souvent on entend des histoires, et on sait que beaucoup de problèmes il y a dans le monde à cause de la jalousie. Chachamim, ils ont déjà dit que la jalousie c'est une des trois choses qui sort l'homme de cette monde-ci. Ça veut dire que même elles peuvent les sortir, donc même si sa jalousie, elle est un petit peu, c'est pas une grande jalousie, mais déjà ça, ça lui dérange de vivre une vie normale. Ça veut dire que c'est une clipa, c'est une écorce qu'on peut l'enlever, mais il faut la travailler. Il faut travailler beaucoup dans la pensée, dans la façon que tu vois le monde, mais on ne peut pas l'enlever avec une tisane ou avec un sirop ou quelque chose. C'est une sidour et il faut arranger dans notre cerveau, notre marchava, notre pensée, comment tu vois la vie, comment tu vois ta vie, si tu comprends qu'est-ce que toi tu es devenu faire ici et qu'est-ce que tu as un rôle essentiel dans ce monde. Donc dans ce cas-là, tu comprends que la jalousie, elle n'a pas lieu. Ça veut dire qu'elle a fait tomber des gens immenses. Immenses, pas des gens, on va dire, amarets, qui ne connaissent rien de leur vie. Le premier jaloux dans la Torah, on parle de Nachash. Le Nachash, il était jaloux d'Adam et Chava. Ça veut dire que la jalousie, c'est un trait de caractère qui appartient à Nachash. Le Nachash, c'est le serpent. Le Nachash, c'est le Yetzarara, c'est le Amalek, c'est le Satan, c'est le Malacham, avec ce que vous voulez. C'est que le Nachash, il a mis la Zohama, il a mis la, comme on dit, la Zohama, les sales, les saletés, ou Adam et Chava. Ça veut dire qu'on voit qu'il y avait deux personnes dans le monde, Cain et Evel. Le monde était partagé en deux, la moitié de la terre pour Evel, la moitié de la terre pour Cain. Cain se lève, il tue Evel. Donc, tu peux dire quoi? Qu'est-ce qui t'est manqué? Donc, on voit que Cain, ce n'était pas quelqu'un qu'il était à Maharetz. Cain était un avis d'Akadosh Baruch Hu, était un prophète. Hachem, il lui a parlé, il lui a dit, « Aïe, Evel Achicha, où il est ton frère ?» Donc on voit qu'il était dans une darga de Navi, il a pu tomber d'une darga qu'il touchait la poussière. Ça veut dire que la kin'a, c'est quelque chose qu'il prend la personne, qu'il enveloppe d'une pensée, qu'elle déconnecte complètement des sentiments à la réalité, à la logique, au secret. Après, on va avec les pères de Yosef, on va voir après, il y a plein d'exemples comme ça. Maintenant, pour se délibérer de cette marchava, il faut qu'on sache dans notre racine que chacun dans ce monde, il a sa part. Et quand tu vois que l'autre, il a des choses que tu crois qu'il a plus que toi, ne crois pas qu'il prend de toi. L'Arizal, il dit, comment ça se fait que l'homme, il est jaloux de ce qu'il a chez son copain? Parce qu'on voit que dans chaque société, et le Rambam, il dit, tout ce que les gens ils font, c'est par rapport à la société. Si on voit aujourd'hui comment les gens ils s'habillent, comment ils changent les voitures dans une rapidité, comment ils savent, tout ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens, comment ils vont réagir. Ça veut dire que aujourd'hui, la hypocrite, elle couvre des choses qu'on va dire, soi-disant la politesse, et elle cache les choses qu'ils ne se voient pas. Donc, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est jaloux. Donc à l'extérieur,
il y a une image de quelqu'un qui le contemple pour toi, mais Chachamim, ils ont dit non, à l'intérieur, il y a un monde qui est caché. Que ça dépend beaucoup des bons yeux, des bons cœurs. Maintenant, l'Arizal dit, si on regarde pourquoi, c'est quoi la racine que l'homme est jaloux? C'est que la neshama, le corps, il a le corps et la neshama. La neshama est la tête d'une racine. Ça veut dire que chacun de nous, il est connecté à sa racine de sa neshama. Et par rapport à lui, à comment il est, à ses kelim qu'il a préparé, son avoda qu'elle a fait, qu'il a créé des ustensiles, d'accord? Donc, lui, il tire de là-bas, il tire une chayout. Il tire une dans sa racine de sa neshama, il a comme un tuyau qui lui fait vivre. Et par rapport à les choses qu'il a préparées. Donc quand quelqu'un il voit que tu as plus de l'argent, plus des enfants, et la parnassa elle est bien, ou dans tout ce que tu fais tu as réussi, lui il croit que cette personne s'est construite sur toi, sur ton dos. Et parce qu'il se construit sur ton dos, lui, il n'aura pas, il ne reste rien pour lui. Chachamim dit ça, c'est un résultat d'une personne qui vit en tzimtzum, tout est étroite. Ça veut dire que c'est vrai que quand tu rentres dans un endroit et tu voulais une bouteille de l'eau glacée et la personne a pris les dernières bouteilles, peut-être il n'y aura pas plus. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que chacun reçoit ce qu'il mérite par rapport à son ustensile. Et personne ne mérite et personne n'aura les choses qui ne sont pas bien pour lui. Chachamim, il dit, « En malchut nogad be malchuta kem lo nima. » Donc, personne ne peut t'enlever ou peut te rajouter par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé déjà pour toi. Et c'est un grand chesed qu'Hachem fait avec l'homme qui ne lui donne pas toujours tout ce qu'il lui demande. Parce que si on aura tout ce qu'on demande, la majorité, on vit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination qu'on a besoin, que ça c'est important et que ça c'est, et ça il faut et ça c'est il ne faut pas. Donc l'homme doit savoir que il y a La jalousie, c'est la racine de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme la haine gratuite et les chorbanes, beaucoup de choses qui sont passées. Le premier Bet Amigdash, le deuxième Bet Amigdash. Et l'homme doit se coller que dans les bonnes choses. Une personne qui est constamment regarde et critique ce qui se passe chez l'autre, il met dans l'atmosphère une mauvaise ambiance. Vous savez, comme Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est toi qui vas délivrer Bnei Israël, il ne voulait pas, il a dit, je ne peux pas, c'est mon frère Aaron qui a toujours été avec eux, ce n'est pas à moi de venir maintenant, je vais les délivrer. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'inquiète pas, Veracha besamach bilibon. Mais ça marche béliban. Aaron, ton frère, il va être heureux dans son cœur. Ça veut dire, quand un homme, il est heureux vraiment dans son cœur pour son prochain, donc après, il mérite des choses. Chachamim, il dit, « Alev, c'est ça marche begdoulat achiv, il vache urim vetomim. » Cet cœur qu'il était heureux pour son frère, lui, il va habiller Urim Vetumim. Vous savez, cet habit qu'on mettait, et quand on avait une question, on appuyait sur le bouton, et c'était. Et les paroles passaient, les messages passaient par ça. Et qui c'est qui a mis ses habits? Aaron. Mais qu'est-ce qui l'a précédé à ça? Qu'il était heureux dans son cœur. Malheureusement, être heureux dans son cœur, c'est pas facile. Il
faut savoir, c'est un niveau. C'est un niveau d'une personne, qu'il a un bon cœur ou un mauvais cœur. Maintenant, chacun doit savoir qu'est-ce qu'il est mauvais. Il est mauvais pour toi. Bien sûr qu'après, il va être mauvais pour toutes les gens autour de toi. Parce que celui-là qui a un mauvais cœur, il ne va jamais chercher à comprendre, à juger les kafsrout. Lui, il coupe les choses. Le Baal Shem Tov, il nous a dit comment un homme peut savoir son niveau. Qu'il regarde, c'est quoi sa première pensée quand il voit quelqu'un qu'il fait soi-disant une faute à ses yeux. Tu as vu quelqu'un qui son téléphone il sonne en plein de kotel Shabbat. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu dis la première chose? C'est ça, tu vas dire comment il ose, ou tu vas dire ah, c'est un médecin qui quand même il a décidé de venir prier. Première pensée, ça veut dire c'est quoi ton premier niveau que tu penses au monde, aux gens? Parce que si le cœur, on travaille le cœur d'être bon, de ne pas chercher que le mal, donc qu'est-ce qu'on fait? On sort le mal, on rentre le bien. Et les hâtes, l'homme, il commence à déraciner les choses qu'ils peuvent abîmer. Parce que Chachamim, il dit que la kin'a, c'est quelque chose que même quand l'homme il quitte ce monde, Atzmotav markivot bakever, c'est même ses os, ils s'effondrent dans les tombes. Mais il faut savoir que même son identifié Atzmut, c'est son identifié de la personne. Il ne se connaît plus. C'est plus lui. C'est une autre personne qu'il part à sa place, qu'il regarde à sa place, qu'il entend à sa place. C'est comme s'il est géré par quelqu'un d'autre quand il a la jalousie, qu'elle n'arrive pas à être contrôlée par le cerveau. C'est que le sentiment de jalousie qui est maintenant, elle est là. Donc le travail, c'est le déraciner. Comment penser positif, de savoir que j'ai un chemin à faire dans ce monde. Pour ce chemin, pour mon tikkun, pour mon travail, j'ai ce qu'il me faut aujourd'hui. Si Akadosh Baruch Hu pense que j'aurai besoin de plus, il va me donner plus. S'il croit que j'ai besoin de moi, il va me donner moins. Mais quoi qu'il arrive, chacun, dans son autoroute, il a ce qu'il lui faut. Donc, rentrer dans des marches à vote, que parce que lui, il a, je n'aurai pas, ça c'est pure jalousie, et katnou de mochin, ça montre combien tu es petit dans l'esprit. Donc, être large de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Au contraire, des fois, parce que tu penses bien pour les autres, tu arrives à être heureux pour l'autre, donc tu peux profiter des tuyaux qui sont ouverts pour les autres, ils vont s'ouvrir aussi pour toi. Bezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu nous donne siyata d'ishmaïa, d'être pur dans notre avodat Hashem, si Dieu veut. הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור. הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, יהללו את שם אדוני. כי הוא ציווה ונבראו וימידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללויה, הללו את אדוני מן הארץ, אני
השמיים הללו במרום.